let's go. Yeah, come on. Wait! What's going on guys et bienvenue pour Obscure, on entame la saison 2 avec un jeu sur PlayStation 2 qui est pas mal, qui est sorti en octobre 2004 en Europe et en, après pour ce qui est Amérique, Canada 2005 et apparemment il est jamais allé au Japon. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il est édité par Microïd mais développé par Hydra Vision qui est une boîte française et oui qui est apparemment à Tourcoing. Hydra Vision qui maintenant s'appelle Mighty Rocket Studio, à moins qu'ils aient fermé. Ils ont été renommés en 2013. En tout cas, qu'est-ce que c'est comme jeu? Alors, donc c'est un survival horror, un peu comme à la... C'est un mélange de Resident Evil Silent Hill en fait, qui est bien. Alors, comment dire, ce jeu est mitigé. Alors les avis sont mitigés, même moi, mon avis à moi personnel est mitigé parce qu'il est bien, mais il est très cliché dans les personnages. En gros, il l'appelle même pas un survival horror, en fait il l'appelle un teen survival horror. Teen, ça veut dire adolescent en anglais, parce qu'en fait c'est des gros clichés de slasher. Vous savez les films par exemple Vendredi 13 avec Jason qui tue les jeunes, Freddy aussi. Enfin voilà, tous ces genres de films en fait de l'époque qui sont gore et qui font peur, mais qui sont aussi un peu débiles parce que les gens sont des gros clichés, ou alors les gens sont cons, la plupart du temps ils sont cons en fait. Et ben là en fait c'est ce qui se passe avec les adolescents. On va voir que ce qu'ils disent en fait, c'est pas normal. Enfin voilà, personne dirait des choses comme ça dans cet environnement-là. Ou alors, si on se fait courser par un monstre, on va pas dire au monstre « Putain, pourquoi t'as niqué ma voiture ?» Enfin voilà, on va pas sortir des conneries comme ça. Donc, ça va être drôle. Obscure est drôle. Et je pense que en fait, il s'est fait critiquer. Enfin, les critiques ont descendu un peu le jeu parce que franchement, le gameplay est bien. Et surtout qu'il est multijoueur. On peut jouer à deux sur le même écran avec deux personnages parce qu'en fait, dans le jeu, on est toujours à deux. On a un choix entre 5 personnages en tout, je crois bien. Et si un héros meurt, il meurt définitivement. Donc jusqu'à la fin du jeu, il reviendra plus jamais. L'histoire continue sans lui. Et vous switchez de personnage si jamais un meurt. Et bien sûr, si les 5 meurent, bah game over. Mais voilà, mais franchement, il a du bon gameplay. C'est un bon mélange de Resident Evil et de Silent Hill, c'est bien. C'est pas mal, les graphismes sont bien, les puzzles sont bien, la mécanique est bien. Mais je crois qu'il a été assez descendu par les critiques à cause du fait que, bah, voilà, comme j'ai dit, les conversations elles sont un peu débiles, enfin voilà quoi, les cinématiques elles sont aussi un peu débiles quand les personnages parlent. En fait, quand ils ouvrent leur gueule, c'est con, voilà. Donc c'est ça le truc, le problème de jeu. En tout cas, si vous êtes curieux, j'ai fait le jeu en entier. C'est une des playlists, donc elle est là. Allez la chercher, je la mettrai pas dans la description parce que déjà j'aurais sûrement oublié de la mettre. Et comme ça, ça vous force à aller chercher vous-même. En tout cas, on va se lancer en normal. C'est aussi un des jeux qui bloque le mode hard quand on l'a pas fini une fois. Ça m'énerve les jeux qui font ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai le playthrough complet si vous voulez, si vous êtes curieux. Donc on va se lancer dans Obscure. Il y a Obscure 2 aussi qui est sorti en 2017, peut-être qu'on le fera. Celui-là aussi je l'ai commencé mais je l'ai pas fini, donc peut-être que voilà, on le sortira dans les jeux du passé un jour ou l'autre.
Bon voilà, on va se lancer, pas grand chose à dire. Donc regardez la cinématique début, elle est drôle. Ah oui, je voulais rajouter que à la base, je pensais que c'était purement américain, c'est pour ça que le jeu est pas sorti au Japon, mais en fait, c'est français. Oh putain, déjà avec la musique, merde, putain, par contre, je vais peut-être me prendre un strike de YouTube parce que c'est une musique d'artiste. Voilà, donc je suis désolé, je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais j'ai sûrement coupé la musique parce que c'est d'un groupe. Donc sur YouTube, en fait, je me fais flag si jamais j'utilise des musiques sans avoir les droits. En tout cas, voilà, c'est très, comment dire, American Pie, par exemple. Voilà, vous prenez le film American Pie, bah c'est très ça, en fait. C'est très ça. C'est genre des jeunes américains qui font n'importe quoi, qui boivent, qui prennent de la drogue, jouent au basket, enfin voilà quoi, que des trucs comme ça quoi. Voilà, c'est juste ça en fait, c'est des jeunes comme ça quoi. Mais après, le gameplay est très bon. Les graphismes pour la PS2, franchement, sont très très bons. On est en 2004, le jeu est sorti. En 2005, il y a Resident Evil 4 qui sortira. Donc, non, ça va. C'est potable. C'est très potable. Le mec est tellement fort, il met que des paniers, quoi. Donc voilà, donc on joue comme ça. Donc, troisième personne avec. Alors, écran fixe. À moitié parce que des fois l'écran va suivre le personnage. Après on a pause, c'est ça. Pour l'instant on n'a pas de menu. Non, pour l'instant on n'a pas de menu. On verra après. Là on est dans une sorte d'introduction, de prélude. Ah, téléphone. Alors moi j'aime bien le coup qu'il y a beaucoup d'interactions en fait entre les personnages. Et il y a beaucoup de trucs comme ça, par exemple le mec entend la sonnerie du téléphone, bah il dit tiens, il y a peut-être Ashley qui est en train de m'appeler. Graphiquement, comme j'ai dit, le jeu est très très bon. Le jeu est disponible sur PC si vous êtes curieux, il est sur PS2, PSP, il a été remis après sur PSP, Xbox et Windows, donc PC aussi. Là c'est la version PS2 et elle est très 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 belle. Donc franchement, c'est rare que des studios français fassent des bons jeux quand même. Enfin, je suis peut-être un peu langue de pute, mais c'est vrai. Hein. Point de vue technique, c'est un très bon jeu. Ça, il faut le dire. Point de vue technique, c'est un très très bon jeu. Après, voilà, c'est le cliché de American Pie, quoi. T'as genre le gros bully aussi, lui c'est un peu le genre l'athlète. Donc dès que t'es une sorte de nerd avec des lunettes, tu vois, il t'aime pas trop quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le truc comme ça quoi. Pourquoi ça me dit de. Ah oui, faire carré c'est pour sprinter. C'est bizarre que ça m'affiche les contrôles comme ça, je me rappelle pas avoir ça. Quand j'appuie, ça affiche plus. C'est peut-être comme j'ai dit un peu, c'est le début, donc c'est peut-être didactique, je me rappelle pas que ça faisait ça. Après, il y a une mécanique avec la lumière, parce qu'on a vu déjà le temps de chargement, c'est une lampe torche. Les monstres, en fait.
Les monstres dans ce jeu, en fait, sont sensibles à la lumière. Donc il y a un système. J'espère que ce bouton va partir parce que ça me dérange en fait. Ah tiens, on peut mettre encore des paniers. Il y a un système avec la lumière qui est pas mal. Genre il faut utiliser les lampes torches pour affaiblir les monstres ou pour les tuer, je crois, et utiliser des armes à feu pour les affaiblir, un truc comme ça. Un peu comme Alan Wake. Alan Wake, on va faire. Faut que je le note sur un papier. Alan Wake, qu'on va sortir pour les jeux du passé parce que c'est un très bon jeu aussi. Ouais, caméra plan fixe mais pas tout le temps. It's locked. Donc bien sûr, version américaine hein, pour 60 Hz. Je crois que quand j'avais fait mon playthrough, je m'étais fait chier avec la 50 Hz. Je suis plus trop sûr maintenant. Tous les décors, bien sûr, sont maintenant en 3D, c'est pas des trucs prédéfinis, rien. Ah, le mec, il a une barre de stamina, on la voit pas pour le moment. Par contre, c'est con, mais je sais pas du tout où faut aller. Par là? Ah, c'était par là en fait, d'accord. Et comme j'ai dit. C'est un des rares jeux où c'est qu'on peut ah. On pouvait jouer à deux, donc sur le même écran. Donc très très bien quoi, très très bien. Par contre à deux ça devient vite horrible parce que en fait l'écran se split pas. L'écran je crois bien qu'il continue à suivre le personnage principal. Je crois qu'on peut switcher de personnage principal, c'est-à-dire que la caméra peut suivre le joueur 1 ou 2. Et le truc en fait, ça devient vite un bordel si vous communiquez pas en fait. Parce que bon, j'ai déjà essayé, c'est un peu la merde. Si on dit ouais, viens, on attaque un monstre, ou alors viens, on se casse, faut vraiment en fait, comment dire, bouger et faire les choses à deux quoi. Ah oui, il y a aussi une sorte de craft. Donc là, on récupère par exemple le ruban adhésif. Après, on prend l'arme. Non, qu'est-ce qu'ils disent? Flashlight. Ah oui, voilà, on prend le truc, on fait croix. Donc, tape la lampe. Voilà. Yes. Ah voilà, là j'ai choisi, là je suis en train de scotcher la lampe à quelque chose, donc hop. Maintenant je l'ai sco. C'est débile quoi, il aurait pu la tenir dans la main la lampe, hein, et le flingue dans l'autre main, mais il a mis la. Maintenant j'ai la lampe sur le flingue, qui est plutôt pas mal. Alors après pour les contrôles, franchement les contrôles sont bien, les effets de lumière sont très très bien, comme j'ai dit, c'est très bon graphiquement, très bon technique, le jeu. On peut viser et quand on vise. Enfin non même quand on n'a pas besoin de viser, on a le joystick droit pour bouger l'arme. Donc c'est plutôt cool. On peut vérifier un peu ce qu'il y a dans les recoins et tout ça. Ça j'aime beaucoup. Ça je trouve ça très bien. Par contre ça me dérange de voir là. Non, il n'y a pas de bouton setting. Non. C'est bizarre hein, qu'il y ait toujours ce bouton qui s'affiche là pour sprinter. Ça me dérange. Donc voilà, franchement, très bon jeu. Très très bon jeu. Ouh, qu'est-ce que c'était que cette merde? Il y a un truc qui nous est passé devant. Ah oui, on a un boost de lumière aussi. Bon, ça c'est débile, bon, ça n'existe pas évidemment. On peut viser, on fait L1, donc on n'utilise pas le pistolet, mais en fait on utilise la lampe, on booste la lumière et après elle chauffe, donc faut faire attention, faut pas qu'elle chauffe au maximum.
Les animations aussi sont cool dans ce jeu. Je dois dire que les animations sont sympas. On peut aussi interagir avec les objets. Enfin, pas interagir, genre. On peut récupérer les objets comme un Resident Evil avec les puzzles et tout ça, mais même les trucs qui sont par terre, on peut les pousser. Des conneries comme ça, en fait. Genre, ça, je crois qu'on peut la détruire, un truc comme ça, si on tape dessus. Enfin, voilà, franchement, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment un très bon jeu. Mais c'est le problème, c'est que c'est les cinématiques et les personnages, quoi, ce qu'ils disent, quoi, c'est débile. Enfin, on va le voir plus tard de toute façon. C'est juste ça qui cloche, en fait. Mais après, si on aime le style, ça marche. Quand je dis que c'est débile, quoi, c'est juste parce que. Ben oui, c'est American Pie, quoi. C'est ce genre de film, hein, ce genre de cliché d'adolescent américain, quoi. Mais si on aime, ça va. Let's bolt. Ah, le mec, il se la pète. Fritz Studio and now your teammate. Alors, maintenant. Attendez. Comment on change de personnage? Voilà, on peut leur donner des ordres. Et on peut changer de personnage. Donc voilà, maintenant je contrôle lui. Putain, je peux pas avoir l'inventaire. Non. Kenny, Dan. Donc voilà, ça c'est pas mal. C'est comme ça. Et pendant tout le jeu, en fait, on a deux personnages. Et on va voir après que chaque personnage, en fait, ont des caractéristiques. Donc par exemple, Kenny, c'est l'athlète. Donc il a de la, il est fort. Donc il peut pousser par exemple les objets. Après, il y en aura, ça sera. C'est une intello, donc elle est plutôt pour hacker. Ah, donc voilà, il y a aussi ça, il y a un système un peu RPG avec, avec les différentes habilités, quoi. Là, on a un flingue aussi. Donc lui aussi peut tirer. Quand on commence à viser, notre pote vise aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Il vise aussi automatiquement, il va automatiquement tirer. Donc par contre, des fois, c'est dangereux parce que les balles, ça part vite et le NPC est pas super malin non plus, mais bon. C'est pas horrible, hein. L'intelligence artificielle quand même est ok. C'est pas le top, mais c'est ok. Ah, ah oui, il y a des putains de merde. Je crois qu'il faut tout simplement se casser en fait. Yeah. Le mec, le monstre arrive, mais on peut partir. On peut essayer de le tuer, mais on n'y arrivera pas. Je crois que notre pote est mort. Ah ouais, là il y a des petits monstres. Oh, lâche-moi. Là aussi. Allez, on se casse. Putain, il y en a plein. Hein. Et voilà, bienvenue dans Obscur.